Clic, bonjour, bonsoir, cinéphile, cinéphile. Aujourd'hui, je vais pas vous parler au début d'un film, je vais plutôt vous parler, parce que j'en ai ras-le-bol, voilà, j'en ai ras-le-bol, car nous avons malheureusement une grande actrice de renom qui nous a quittés, qui est Carrie Fisher, et j'en ai un peu ras-le-bol de voir sur les réseaux sociaux que vous la comparez qu'à Princesse Leia, et Princesse Leia. Il faut savoir que Carrie Fisher a quand même une grande carrière cinématographique et elle n'a pas fait que Star Wars, je tenais à vous le dire comme ça. C'est pour ça que je voulais un peu remettre les pendules à l'heure. Donc, Carrie Fisher est née le 21 octobre 1956 à Beverly Hills, Californie, bien entendu, hein, aux États-Unis, et est morte malheureusement le 27 décembre 2016 à Los Angeles. C'est une actrice scénariste américaine. Entre parenthèses, il y a très peu de temps, elle est venue en Belgique au FAC pour parler un peu de Star Wars. On l'a manqué de peu. Elle est la fille de l'actrice Debbie Reynolds. Debbie Reynolds qui a joué entre autres dans Singing in the Rain, qui est morte, elle, une heure plus tard, le lendemain, dû qu'elle n'a pas supporté l'annonce de la perte de sa fille. Debbie Reynolds et du chanteur Eddie Fisher. Son papa était Eddie Fisher. Vous allez, on va vous montrer quelques clichés de famille ici, juste à ma gauche. Et donc, la demi-sœur de Jolie Fisher et Tricia Leather. En 1977, dès son deuxième film, elle accède à la célébrité. C'est là que intervient les fans Star Wars. Donc film de George Lucas, hein, sur l'interprétation de la princesse Leia, a une importance énorme donc pour elle, et la propulse sur le devant de la scène. Elle reprend le rôle notamment dans l'Empire Contre-Attaque, Star Wars épisode 6, le retour du Jedi, et 32 ans plus tard, elle reviendra avec Star Wars épisode 7 et le réveil de la Force, puis dans Star Wars épisode 8 qui doit sortir normalement en 2017, là on ne sait pas bien, on verra bien ce qu'il en est, on verra. Par contre, ce qu'on sait un peu moins quand même, c'est qu'elle a eu des problèmes de drogue dans les années 80 avec de l'alcoolisme, donc l'obligeant à s'écarter un petit peu de la scène et des plateaux. Elle a tout de même été remarquée dans le film Les Blue Brothers, que vous voyez juste là, je vous montre. Le slasher vous montre avec son montage le film des Blue Brothers avec Monsieur Bellucci qui lui aussi est décédé suite à des problèmes d'overdose, donc de drogue. Elle a été aussi dans Anna et ses sœurs, que vous voyez juste là, qui est sorti en 86. De toute façon, je vais faire un récapitulatif où je vous montrerai toutes les affiches de films par la suite. Quand Harry, elle a même joué dans Austin Power. Mini-moi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas que Princesse Leia. On a pu aussi la voir dans Scream. Scream 3. Alors, faut savoir qu'elle est née le 21 octobre 1956. Elle est décédée, bien entendu, comme je vous l'ai dit, le 27 décembre. Elle a joué donc dans pas mal de films. Faut savoir aussi, et là, on en sait un peu moins, que c'était, parce qu'on peut dire ça comme ça, la petite fille d'Elizabeth Taylor. Et oui, c'était la petite fille d'Elizabeth Taylor. D'ailleurs, je vais vous le dire de suite comme ça. Elle est la belle-fille d'Elizabeth Taylor, pardon, j'ai trompé, à la suite d'un mariage du mariage de son père, Eddie Fisher, avec celle-ci. Donc son papa ayant divorcé de Debbie Reynolds, s'est remariée plus tard avec Elizabeth Taylor, donc elle était la belle-fille d'Elizabeth Taylor. Dans son livre « Mémoire de princesse » paru en novembre 2016, Carrie Fisher confie avoir eu une liaison intense avec Harrison Ford. D'ailleurs, ça se voit si vous remarquez un petit peu dans le partage des rôles, quand on la voit avec Harrison Ford, on voit bien que c'est vraiment pas des regards forcés d'actrices et d'acteurs, on voit vraiment bien qu'il y a quelque chose, une osmose qui se passe entre les deux sur le tournage de Star Wars en 1976. Elle a une fille, Brian Lourdes,
né le 17 juillet 1992. Elle parle le français, enfin elle parlait le français plutôt, une langue qu'elle utilise lors des interviews, notamment pour les, qu'elle utilisait pour les interviews de, des chaînes françaises. Alors, je vais un peu vous faire le récapitulatif. Alors voilà, on va vous montrer un peu quelques clichés de sa vie. Hein. On va la voir bébé, comme je vous ai montré tout à l'heure, le papa qui, Eddie Fisher, qui la tient dans ses bras, accompagné de sa maman. On va la voir un peu plus jeune, on va la voir en princesse Léa. On va la voir, et là, il faut savoir qu'elle s'est mariée qu'une seule fois. Une seule fois avec le chanteur Paul Simon. Paul Simon et donc Edgar Funkel, mais on va s'arrêter à Paul Simon. Ils ne sont même pas restés mariés un an. Et après, cette aventure chaotique, elle a décidé de rester sans se remarier. Voilà. Donc vous verrez aussi la photo de Debbie en mariée avec Paul Simon. Alors je vais vous faire un petit peu sa cinématographie. Et à chaque fois que je vais annoncer le titre, elle va apparaître tout simplement le film, donc la jaquette pour vous commémorer les titres. Champeau d'Al Asbi, sorti en 1975. Star Wars épisode 4, Nouvel Espoir, sorti en 1977. Les Blue Brothers, sorti en 1980. En 1980, toujours Star Wars épisode 5, L'Empire contre-attaque. Under the Rainbow de Steve Rash, lui est sorti en 81. En 83, on retrouve Star Wars épisode 6, Le Retour du Jedi. En 84, À la recherche de Garbo. En 84, toujours, Happily Ever After, La mère de Molly. Elle fait juste la voix sur ce film. En 85, L'homme à la chaussure rouge. Petite parenthèse, elle joue avec Tom Hanks, qui était lui à ses débuts aussi. Hein. Hollywood Vice Squad, de Penelope Spheeris en 86. Toujours en 86, Anna et ses sœurs. En 87, Cheeseburger Film Sandwich. En 87, Time Guardian. En 88, Rendez-vous avec la mort. En 89, Quand Harry rencontre Sally. En 89, Les Banlieusards, retour avec Tom Hanks, si mes souvenirs sont bons, avec Les Banlieusards. En 90, donc en 90, L'amour dans le Baudrin. En 1991, donc 91, Hook à la revanche du Capitaine Crochet de Steven Spielberg. On la voit, si vous voulez, c'est la femme embrassée sur le pont. Voilà, c'est, elle n'est même pas créditée dans le générique de film. En 91, La télé lave plus propre. En 91, toujours Drop Dead Fred. En 97, Austin Power, mais le premier Austin Power. Donc, International Man of Mystery. En 2000, Scream 3 de Wes Craven. Elle jouait le rôle de Bianca Brunette. En 2001, Jay et Bob contre-attaque. En 2001, Beauty empoisonnée. En 2003, Wonderland de James Cox, un film que je vous conseille. En 2003, toujours, Charlie Angel, Les anges se déchaînent. En 2007, Cougar Club, film comique, un peu dans la lignée des American Pie. Hein. En 2008, une parodie, c'est Fanboy. Vous verrez avec la jaquette, vous allez pouvoir directement voir de quelle parodie il s'agit. En 2009, White Lightning. En 2014, Map to
To the Star de David Cronenberg. En 2015, Star Wars épisode 7, donc le réveil de la force. En 2016, donc c'est cette année, enfin, on va dire l'année qui se termine, Rogue One, donc un Star Wars qui est à part des Star Wars. Et en 2017, normalement, Star Wars épisode 8. Donc, on verra bien si elle est là. Je tenais à vous dire aussi, juste avant de vous parler des séries télé, parce qu'elle a fait quelques séries télé. Je ne vais pas vous donner toutes les séries télé, je vais vous en donner que quelques-unes. Il y a des citations qu'elle a dit qui étaient assez marrantes quand même. Et je vais vous les lire tout simplement. À propos de Scream 3, la première chose que j'ai demandé au producteur du film, Hervé Weinstein, a été « Est-ce que je me fais tuer ?» Parce que j'ai toujours eu envie de mourir à l'écran, histoire de m'entraîner pour plus tard. C'est assez bizarre, mais ça fait drôle d'entendre ça. À l'occasion du 30e anniversaire de la saga Star Wars, vous savez, c'est une saga que les gamins adorent. Que beaucoup de gamins adorent d'ailleurs. C'est donc étrange quand vous voyez un adulte en costume qui vous dit « J'ai appelé mes enfants Luc ou Leia ou... » Bref, peu importe les autres noms, c'est le plus étrange mais le principal. C'est ce que une saga que les gens ont vraiment adoré et c'est bien. Je trouve que c'est une personne qui était quand même très humble. Et ça, je trouve, chapeau bas, Carrie. Alors, elle a reçu quand même quelques... En 1978, meilleure actrice pour Star Wars, Nouvel Espoir. Meilleure actrice aussi pour Star Wars, Le Retour du Jedi. Ça, c'est pour les Academy of Science, Fiction, Fantasy and Horror Film aux États-Unis. Et à la British, donc, Academy Film of Television, elle a eu le meilleur scénario adapté pour Bon Baiser de Hollywood. Alors, on va terminer avec quelques titres de séries télé qui vont apparaître comme ici aussi. Elle a joué dans Sex and the City, où elle prend son rôle de elle-même, donc Carrie Fisher. Smallville, où elle tient le rôle de Pauline Kane. 13 Rock avec Monsieur Baldwin, où elle prend le rôle de Rosemary Howard. Weeds, où elle joue le rôle de l'avocate de Celia. Entourage, où elle prend le rôle de Anna Fowler. Et The Big Bang Theory, où elle tient le rôle elle-même dans la saison 7. Donc voilà, c'était un peu pour vous rendre hommage à cette grande actrice qui nous a quittés il y a très peu de temps. Et je tenais à dire aussi que, à la fin de mon message, qu'il y a deux grandes stars qui ont rejoint les étoiles, c'est Carrie Fisher et Debbie Reynolds. Donc, à vous deux, je vous dis RIP et à bientôt dans l'au-delà.